Eh bien, c'est tout le monde, c'est XBSK et aujourd'hui on se retrouve pour la suite des aventures de Yuffie sur FF, j'allais dire FF14, FF7 Intergrade. Oui, je dis Intergrade alors. Alors, je vais mettre. Carbuncle. Et toi, je vais te mettre. Pampa. Ouais. Alors, apparemment, j'ai encore un emplacement Mathia pour toi. Voilà, alors j'ai mis la glace sur elle, j'ai mis la foudre, du vent, ça serait peut-être bien, non? Et j'ai une matière avant. Ok, good. Allez, bon, il est temps de continuer notre aventure. On va très certainement mourir. Mais c'est pas grave, on aime ça mourir. Je peux accéder là-bas, non? Oh, ce bras il fait peur. Putain, c'est l'Ultima qu'on va affronter ou... J'ai un peu peur là quand même. Hein. Je suis pas émotionnellement prêt pour affronter un gros boss. Sachant que je me sens pas encore à l'aise avec le jeu. Surtout quand on a arrêté après un bon moment. Ah. Alors, on n'a pas trop le choix. Alors, on va aller par là. Donc je suis posé par là. On doit descendre. Attendez. Oh non, me dites pas que je reviens en arrière là. Si j'en reviens en arrière, là, on est d'accord. Non? Non, on n'avait pas vu les bras. What? Étage moins 14. Attendez. Si, si, on est bien revenu en arrière. Putain! Ah, fais chier! Vite, 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 on se rouille. Je suis en retard! Vite! Punaise! Sérieux, je me disais bien que ça me semblait quelque chose que j'avais déjà vu. Fais chier, vite, 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 vite! Allez hop! Grouille, 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 fille! Hop! Allez, go, 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 let's go, 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 go! Ah! Bah, attendez. Bon, pas grave. Allez hop, 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 hop. Voilà! Important que ceux qui étaient en bas. Mais alors, ça doit être la matéria ultime. Mais on voit rien. La lumière, vite. Comment on l'allume? Attendez, on quitte la zone pour allumer la lumière. Non. Si? Mais lol. Niveau 3 du système principal activé. Chargement de l'énergie Mako en cours. Déploiement. Allez, dépêche-toi. Voilà. Allez, on y retourne. La matière qui nous attend. Attendez, quoi? Tourne en arrière, vite fait. Pas un bouton sur lequel appuyer ici. Ah. Oh non, c'est toujours pas la matéria ultime. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est pas vrai! Arrêtez de nous balancer des gardes et filez-nous la matéria. Ouais. Je vais me défouler à fond. Ah ah.
L'humilité magnifique! Qu'est-ce que tu dis de ça? Merde, c'est moi qui ai la foudre! Mais Mumi, même à ça ils sont... What? C'est quoi? Putain, ils ont aucune faiblesse! Pas grave. On va passer aux choses sérieuses. Allons-y. Ok. Tu vas pas y échapper. Voilà, c'est le moment où j'attendais. Pas de vie. Et un de plus, c'est bonus. L'important, c'est le sabotage. Prêt à l'appliquer. Ça devrait suffire. Dans les bios. Ah, éjection de là. Pff, quoi? C'est quoi ces dégâts de fou furieux que j'ai pris? J'étais en dehors de la zone en plus. Mais je vais pas y arriver là, c'est mort hein. Putain, mais j'aurais juré que je m'étais protégé et tout là. Quoi? Eh mais c'est quoi la portée de ces explosions? Qu'est-ce que c'est que la portée de ces explosions de fou furieux? Bon, c'est pas grave, on va y arriver. Oui, oui, blablabla, bla, bla, passe à cette scène. What? J'ai mis qui en choc? Et donc, j'ai pris la moula là. Putain! Non, te suicide pas, putain! Pourquoi tu te suicides? Je vais remourir! Ah là là. J'aurais peut-être dû les faire leveler un peu avant en vrai. Mais sérieusement? Oh bah c'est des mines en plus! Oh! Calmez-vous les mecs! Allez, allez, on
Oh mais non! Et sérieux, y'a pas moyen de... de faire en sorte qu'il arrête de mourir cette explosion ravageuse là? Comment? Il a survécu? Il a survécu à l'explosion? Incroyable! Continuons comme ça. Attends. Je vais le soigner. Toi, tu veux bien me lancer une petite potion, s'il te plaît? Merci. Parce que tous les coups il va nous faire. Non, même pas. Wouah! Incroyable, on n'est pas mort! Incroyable! Alors, est-ce que vous avez découvert ce qu'ils veulent? Oui. Leur comportement étant un peu incohérent, je ne suis pas certain, mais... apparemment, ils chercheraient une Materia. Une Materia? Ils seraient venus jusqu'ici, en plein territoire ennemi, pour une chose aussi futile. C'est la seule conclusion pour le moment. Voilà qui est extrêmement décevant. Eh bien, soit. Mettez-moi en contact avec eux. Compris. J'espère que je ne vous dérange pas. Oh, je ne pensais pas vous surprendre autant avec un homme. Mais au fait, je sais que vous êtes venu de très loin pour nous voir. J'ai une proposition. Si on jouait un peu plus ensemble, je vais vous montrer des choses bien plus intéressantes qu'un simple hologramme. Qu'est-ce que tu m'as dit, Gans? Voyons, pourquoi autant d'agressivité? Vous savez, il se pourrait bien que ce que vous cherchez se trouve quelque part un petit peu plus loin. Bon, allez, je vous attends là-bas. Yuffie, on fait quoi? C'est un piège, hein? J'en suis consciente. Mais bon, on n'a pas d'autre option. Content qu'on soit du même avis. Et sinon, la magnifique matéria qui se trouve là-dedans, on peut la récupérer Oh, attendez, je vois un truc. PC augmenté, c'est tout. Ah, c'est pas grave. Je suppose que je peux plus rien mettre sur Yuffie. Attends, ça... J'ai 10 points à mettre. Logiquement, il devrait y avoir... compétences disponibles, non? Apparemment non.
Ah ouais, y a rien de chez... Ok, ok. C'est bon, j'ai compris. Ça va. C'est quoi encore ma thérapie PC? Je me rappelle plus. Finalement, le boulet de canon, j'ai peut-être pas utilisé. Augmenter, peine augmentée, esquive, parade, auto-soin, provocation, garde renforcée. Peut-être mettre la garde renforcée après. PC augmenté, augmente les PC obtenus pour les matériaux associés de 100%. Ce qui me casse un petit peu les couilles, c'est que je me dis intérieurement que c'est bien mignon tout ça. Ah d'ailleurs, parlant de bien mignon. Est-ce qu'on a appris la compétence ou pas? Ah, con. Alors, augmente de puissance en dépensant. Oh, on va peut-être utiliser ça en fait. Hein. Elle a l'air moins chiante à leveler en fait. Peut-être revoir aussi mes. Mes bracelets. Quoique. Triple gain de PC des matériaux insérés. Punaise! Ouais, mais il y a zéro matériel dedans! Je vais laisser comme ça en fait. Bienvenue au centre de test d'armement le plus révolutionnaire. Nous y récoltons et analysons les données de divers tests de durabilité. Cela nous permet de faire des armes toujours plus performantes. Tâchez de bien profiter de la visite. Début du test de durabilité. Veuillez sélectionner le type d'unité que vous désirez tester. Pas le temps, faut dormir un peu. Alors, le type d'unité que vous voulez... j'ai de la foudre, on va mettre ça. Ça avait l'air mécanique. Donc si vous me dites que ça résiste à la foudre, je vais péter un plomb. Ou que ça a une immunité à la magie, je péterai encore plus un plomb. Ah non, oh ça va. Ok. Je m'attendais à bien pire. Tu kiffes. Ah, la vocation est presque disponible. Aise. Voilà, c'est réglé. Terminé. Passons à la phase suivante. Et quoi, phase suivante? Veuillez sélectionner le type d'unité que vous désirez tester. Voilà, si, ça me paraît bien. Sélection enregistrée. Préparation de la zone d'observation en cours. C'est grand en tout cas. Y'a pas de truc à casser? Préparez-vous à commencer le test. Ok, je me prépare à commencer le test, écoute. J'ai peut-être dû me soigner avant. J'ai entendu foudroiement des nichons, moi. Pas de problème. Allez, mange tes morts! J'en avais pas l'intention.
Ding 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 ding. Pas bien difficile pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on va affronter? Alors ouais, mes souvenirs sont sensibles au feu. Sélection enregistrée. Préparation de la zone d'observation en cours. Donc du coup, si je me mets techniquement en ninjutsu de feu, ça pourrait jouer à mon avantage. Personne, je crois qu'on doit tous les affronter en fait. Évidemment, non, ils sont pas. Ah non, il lance du feu, merde. Qu'est-ce que ce fut difficile. Passons à la phase suivante. Veuillez sélectionner le type d'unité que vous désirez tester. Le coup de queue, ça serait pas le scorpion par hasard. Sélection enregistrée. Préparation de la zone d'observation en cours. Ça fait long quand même, hein, là. Ah non, c'était pas. Préparez-vous à commencer le test. Je me rappelle plus lui. Enfin, je me rappelle même pas avoir affronté un truc pareil. On verra bien. Si en fait, il me rappelle quelque chose. Eh ben, souvenir, il est sensible à la foudre aussi. Ouais, effectivement. Il y en a quand même, hein. Oh putain, quoi? Je sais que je devrais attaquer mais j'ai pas envie là. Ah j'ai pas ce qu'il faut pour invocation, fait chier. Ah ce sort de... Quoi, il va se suicider à chaque fois? Vous savez quoi, on va recommencer vite fait après, avant le combat. Ah, un petit peu merdé, c'est pas grave. J'essaie de rester en vie là. Il a rien pris, sérieusement? Quoi, c'est ce petit machin là con qui vient de... Ah non, c'est ça. C'est la super surcharge, d'accord. On va passer aux choses sérieuses. Qu'est-ce que tu dis de
putain! Mais je crois qu'il le lance que quand il est en chargé. La phase finale. Comment ça, phase finale? C'est quoi la phase finale? Ah, ok. Sélection enregistrée. Préparation de la zone d'observation en cours. J'ai plus de mana. Ce n'est pas grave. Est-ce que j'ai encore des éthers? J'en ai, on va prendre un turbo éther, je crois. Bon, allez, hein, on va aller voir le gros. Oula. Non, j'ai cru que la musique s'était arrêtée. Oh, oh, non, 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 oh non, c'est un ascenseur. Un truc qui monte. Oh, bah non, c'est un mec à Gundam, ça. Mec à Gundam. What? Si je lui mets de la glace dans le cul, il va aimer ou pas? Ah, faiblesse. Ah, il va me saouler. Bon. Quoi, c'est tout? J'arrêterai tes coups. Ouais, alors là j'arrête rien du tout, mais c'est pas grave. T'as dépassé les bords. Je te tiens. Allez, donne mille. Il commence à me saouler. Il est à terre! Oh non, putain! Ah non, hein, me dis pas que t'es en mode protection arrière! Enfin, protection avant plutôt. J'arrive pas à faire des comptes parfaits, ça me saoule. C'est mon tour! Yay! C'était peut-être un peu trop facile pour des shinobi de votre temps. Qu'est-ce que tu crois? Et t'as encore rien vu? Vous m'envoyez totalement ravi. Eh bien, dans ce cas, la suite devrait vous plaire. Puisque vous avez eu la gentillesse de venir de si loin, je vous ai préparé un accueil très spécial. Par ici, je vous prie. Ça pue. Ça pue. Moi, je le dis tout de suite, ça pue du cul. Au moins, t'es... Frappe un ami avec une attaque de bannissement de niveau 3. Ah, merde, j'avais pas vu. Esquive l'ennemi avec une dis... On va peut-être laisser le shuriken là en fait, parce qu'au moins avec lui... Ouais, je crois que je vais remettre celui-là en vrai. Mais j'ai droit à une matérie en plus. Enchaînement magique. Prière serait pas mal en vrai. Malheureusement, elle est pas assez élevée. PM augmentée, magie augmentée. J'ai rien comme matériel, c'est saoulant. Bon, je vais mettre PC augmentée. Et je vais m'arrêter ici. Parce que je sens bizarrement venir un certain boss de fin. Je ne suis pas sûr. Hein. Je me trompe peut-être, mais je vais quand même m'arrêter ici. Allez, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la. Ouh, oui, attitude. Comme d'habitude, au cul.
Vous connaissez la chanson, vous connaissez l'Eric, vous connaissez le dicton, je vous laisse, je fais plein de pouces partout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao, bye, bouti bouti, et n'hésitez pas à vous abonner. Peace.